que je commence à me battre professionnel, c'est lui qui m'entraînait. C'est mon sensei, en fait. C'est mon premier entraîneur en combat d'art martiaux mix. Et puis maintenant, il est là aussi avec moi pour m'aider. Je tiens juste à vous remercier de venir ici. Je pense que c'est pas tout le monde qui se connaît ici. Je sais qu'il y a des gens de Monaco un peu partout. On va faire beaucoup de techniques, puis à la fin, on va faire un petit peu on va rouler, on va faire des exercices aussi. J'aimerais ça que vous vous mettiez avec quelqu'un que vous connaissez. On va commencer, il fait froid, on va commencer pour se réchauffer. Moi, je vais commencer par montrer des techniques de base, et puis à chaque fois, je vais commencer à augmenter le niveau. Ça va rouler très, très vite. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je suis quelqu'un de gentil, je suis là pour vous aider. C'est ma journée off. Aujourd'hui, c'est ma journée de break. Normalement, moi, je m'entraîne à chaque jour. Le dimanche, c'est ma journée de break. Là, je dois rester une heure. Donc, soyez pas gênés. Ça va me faire plaisir de vous aider. OK? Premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, là, on va commencer. On est en position de combat à chaque point. Puis ici, il va ouvrir, il va rentrer à l'intérieur, puis il va faire des gars. Il va aller coup pour coup. Il prend les gars. Moi, je suis pas pour ça. Il y a des mecs que eux, c'est le style qu'ils doivent adapter. Mais moi, je montre pas à mes élèves d'aller coup pour coup contre quelqu'un. La raison est que le but quand vous faites une carrière professionnelle, vous voulez avoir une autre carrière. Vous voulez toucher votre adversaire, mais pas vous faire toucher. Moi, j'aime mieux donner, par exemple, un coup à mon adversaire et pas en recevoir aucun durant tout le combat que de donner 100 coups et d'en recevoir 50. Le but, c'est toujours de ne pas se faire toucher. Mais ils disent, ouais, mais si tu en donnes 100, tu en reçois 50, tu vas avoir 50 de plus. Oui, mais à long terme, c'est pas la même chose. Je vous compare ça. Si par exemple, à chaque fois que vous arrivez dans votre dojo, il y a une planche de bois, et à chaque jour que vous arrivez dans le dojo, avant de vous entraîner, vous donnez un coup de poing sur la planche de bois. Je lance une main avant, je vois un jab ou un crochet. Hop! Et puis je me retrouve avec le single leg. Okay? Je vais vous montrer une qui est assez spectaculaire, qui est très bonne à faire. Mais je ne veux pas vous la passer là, parce qu'on va se faire mal. Okay? Il y a juste sûrement à moi. Non, vraiment pas. Okay, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le plus loin possible avec mon bras. Vous allez voir, c'est un levé. Pour ensuite le serrer par l'arrière. C'est le principe. Je suis ici en position. J'entre, hop. Dès que j'ai la position aussi. OK, ma tête va s'en aller sur le côté. Mon bras est au milieu. Il va aller chercher le plus loin possible. Vers l'avant. Et puis je vais lever. Regardez comment je vais rentrer en dessous. Un. Deux, j'agrippe les jambes. Là, il y a plusieurs façons de slammer son adversaire au sol. Je peux slammer avec ma tête comme ceci. Ici, il me prend autour du corps. Comme plusieurs font l'erreur. J'ai bloqué son bras ici. Et puis je me jette vers l'arrière. En bloquant son bras, il ne peut plus sortir ici. Il est bloqué. Donc, je me jette vers l'arrière et je la sens sur sa tête. Bon. La première fois, je vais couper par le côté. Puis ici, même entrée. En fin de garde. L'entrée, regardez bien, mon bras, il s'en va loin. Je prends son bras ensuite. Je bloque son coude. Mais là, je me jette vers l'arrière ou sinon. Tout simplement, si mettons son coude n'est pas en place, je lance sur ce côté-là. Je tombe jamais sur ma tête. Je tombe sur le côté où est-ce que ma tête est libre. Où est-ce que ma tête est sortie. Très important. Ça va vous prendre le coup. Demandez la façon qui sont écrits dans les livres. C'est-à-dire la façon que je considère, moi, la meilleure. Et puis dans les livres de lutte, que c'est la meilleure façon de défendre. Puis je vais vous montrer une façon que c'est une autre variation, qui est un petit peu plus, comment on dit, hors la loi. Donc, j'avais Christophe, tu me rends dans les signes de l'aide. Ici, première chose que je dois faire, OK, quand il y a un signe de l'aide, je vais faire, premièrement, je dois appuyer sur son bicep. OK, ici, appuyer sur son bicep. Pourquoi? Pour ne pas lui donner le double jambe. Vous voyez, s'il prend le double jambe ici, il peut me lever et puis je suis cuit. Donc, j'appuie sur son.
puis appuyer sur son tricep pour bloquer son bras. Et puis je mets mon poids vers l'avant. Très important. Pour pas plus que s'il tire par là, je vais pas tomber par terre. Donc je mets mon poids vers l'avant, comme ça je suis bien équilibré. Deuxième chose que je vais faire, ça s'appelle un crossface. Crossface en anglais, c'est comme regarder mon bras, je vais le mettre. Je vais faire comme une croix, comme un crossface en anglais. Croiser la tête. T'sais. Croiser la tête, ça se traduit pas. Oui, mettre un crochet sur la tête. Je vais aller ici. Je croise sur sa tête. Et puis je viens chercher l'épaule. Ici. L'épaule, même presque en dessous de son bras, dans son aisselle. Là, d'ici, ce que je fais, c'est que mon corps, je le mets toujours par là. Donc, ici, s'il bouge, je suis toujours en équilibre ici. Là, regardez ce que je vais faire avec mon crossface. Très important. Parce que d'ici, il y en a qui sont très forts. C'est sûr que je peux ouvrir si je suis très fort d'ici en quittant ma jambe vers le bas et poussant sa tête vers le haut. Mais s'il est très très fort, il ne va jamais me laisser. Donc ce que je dois faire, c'est en faisant des petits sauts. Je vais amener son menton juste par-dessus mon épaule. Je vais amener mon épaule en dessous de son menton. Donc ici, je vais me servir de ça comme un levier. Clouc, 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 clouc. Un coup que je suis rendu ici. Je kick ma jambe vers le bas et puis je pousse vers le haut avec mon épaule. Ici. Ah! Et puis je suis sorti. La personne ne peut pas tenir. C'est vraiment le bas. Parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on est toujours collé. C'est la tête qui fait le truc. Et lui, il me sépare la tête en fait de côté. On va faire un point. Ici. Je bloque son coude. Je viens chercher le cross face. Je m'appuie. Ma main, très important. Je fais pas ça dans le vide, je m'appuie ici. Très important pour avoir le levier. Si j'ai de la force, mais c'est pas tout le monde, il y en a qui sont forts, ça va pas marcher tout le monde. Quelqu'un qui est faible, regardez, ça va marcher. Je vais le faire ici. Hein, ça va marcher comme ça. Son cou, si quelqu'un est pas trop fort du coup, ça peut marcher. Il va lâcher, il va pas résister. Quelqu'un qui est fort, ça marchera pas. Il va falloir que je me serre, il va falloir que je mette mon épaule en dessous de sa tête pour avoir plus de levier. Et en faisant ça, je me servais dans mon coude, comme un lourd à bois. Clic, clic, clic. Coup par petit coup, jusqu'à temps que j'atteigne mon but. 1, 2, 3, 4, 5. Rendu ici, je serre ces coudes ensemble. Je lève mon épaule vers le haut, je kick mon talon vers le bas. D'un coup. Et puis pour circuler, je circule tout le temps du sens où est-ce que c'est pas dangereux. Jamais par là, parce que ma tête n'est pas de ce côté-là. On va le coudé. Par exemple, si mon pantalon a les mains sur le sol, okay? On va faire plusieurs scénarios aujourd'hui. Là, je vais vous montrer comment attaquer une personne quand elle a les mains au sol. Okay? Première chose que je fais, okay? Regardez mes jambes. Mes jambes, je vais les raidir et puis lever mes fesses sur terre. Je lève mes fesses à terre et puis je vais me donner un angle. C'est soit je vais de ce côté-là ou soit je vais de l'autre côté. Donc je vais faire une fois. Soit je vais de ce côté-là. Si je suis de ce côté-là, je vais aller attaquer l'autre bord. Donc je vais faire un demi-cercle. Vous voyez, mes jambes sont bien parallèles. Ce que je vais faire, je vais prendre une position pour le Kimura. Je vais faire un renversement. Donc ça se fait d'un seul coup. Je mets ma main au sol, je lève mon bassin et puis je tourne. Je prends ma position montée. Ça, c'est le premier mouvement. Mais lui, il va normalement, ce qui arrive, c'est que la personne bloque. Donc, vous allez faire ce mouvement-là en premier, et ensuite, vous allez faire l'autre. Même chose. Qu'est-ce qui arrive, c'est que la personne va mettre sa main par terre. Quand je vais mettre la main par terre.